Remember back in the days when niggas had waves. Attends. La vidéo vient de commencer, tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification. Bon, tu sais quoi, je te laisse le temps de le faire. Abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, je répondrai à tout le monde comme tu le sais. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut commencer la vidéo. À toutes. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. On se retrouve comme pour une... Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Bon, comme t'as pu le voir, je suis pas tout seul, ok. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu remarquer que je suis en couple. Et voici la personne avec qui je suis en couple. C'est une vidéo spéciale, première vidéo que je fais avec elle. Donc elle s'appelle Claudia, pour ceux qui ne savent pas, normalement vous ne savez pas. C'est une vidéo où je vais lui poser des questions sur les waves, sur qu'est-ce que telle ou telle chose, etc. La différence qu'il y a entre telle ou telle chose, elle va répondre. On va voir si, à force de m'entendre parler, à force de me voir faire des choses par rapport aux waves, si elle a de la connaissance maintenant sur les waves. Bon, je ne sais pas si ça va être gagné, mais en tout cas, on se retrouve tout de suite, juste après mon intro. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, yo. Est-ce que t'es prête, déjà? Ouais. T'es prête? Non, pourquoi tu regardes le téléphone déjà? Non, t'as pas dit de regarder les questions, toi tu commences mal. Je regarde pas le téléphone. Ok, première question. Pourquoi tu rigoles? Non, vas-y, tu vas me sortir, vas-y. Non, ça va pas être des questions dures, je te promets. Première question, qu'est-ce que les waves? Ah ouais, je te pose des questions cash. Qu'est-ce que les waves? Après, moi, t'expliques avec tes mots. Bah, les waves, c'est des vagues dans les cheveux. Des vagues dans les cheveux, ok. C'est des cheveux, en fait, c'est des cheveux que vous aplatissez. Ouais. Des boucles que vous aplatissez pour faire des formes de vagues. On dirait qu'elle écoute bien, hein, t'as vu ça? Ok, d'accord. Première question, on va dire que c'est validé, ok? À la fin, on va faire un petit truc. Moi, je vais noter le nombre de réponses positives que t'as et les fausses fins. Les bonnes réponses et les mauvaises, ok? Donc là, t'as une bonne réponse. Vous comptez avec moi, on va dire une bonne réponse. C'est une question. Qu'est-ce que des 360 waves? Ah oui, ça va être compliqué. Ouais, je suis pas là pour rigoler. C'est quoi les 360 waves? 360, c'est quand il y a les waves tout autour de la tête comme ça, puisque ça fait 360. Ok, on va dire que c'est bon. Ça va être de plus en plus dur. C'est quoi les 180 waves? Donc là, ça fait déjà deux bonnes 180. Réponses. 180? Ouais. C'est quand c'est que le dessus, non? C'est-à-dire? Bah que là-haut, comme t'avais avant. Voilà, c'est bien. Ok. Ah, tu connais, hein? Bon, troisième question, les 540, c'est de plus en plus dur. C'est ce que t'as là? Non. Mais par contre, effectivement, j'ai... C'est pas quand t'as toute la tête, mais c'était dégradé là? Ça a rien à voir avec avec la coupe. C'est une coiffure, c'est pareil que 305. Ah oui, c'est quand ça part sur le côté. Ah, yeah. Bah non. Les 720, donc ça fait 4 bonnes réponses. Les 720, mais c'est quoi ça? Ah bah tu vois, moi je t'ai dit, il y a des questions, c'est bah, lyrique. C'est ce que t'as là. Ouais. Non? 720. Qu'est-ce que les 720 waves? Attends, tu m'as dit juste avant, là, quand ça part sur le côté. C'était 540. Donc je suppose que c'est gamme au-dessus, du coup. Elle dit gamme au-dessus, t'as cru que c'était une voiture. Ouais. Je sais pas. Je te regarde, t'as vu, parce que... Non mais ça sert à rien de me regarder, tu sais, il y a pas écrit sur ma tête. Non mais peut-être que je sais pas, en voyant tes cheveux... En fait, les 720, tu te réponds? Ouais. En fait, les 720, c'est continuité des 540. Donc les 540, bon, pour que vous voyez aussi, pour ceux qui ne savent pas, là j'ai des 360, donc je pars de la couronne qui se trouve ici, et je fais dans ces sens-là, donc c'est les angles. Les 540, il faut que ça parte un petit peu en biais, ou dans ce biais-là. Et les 720, c'est complètement, je sais pas comment dire, complètement l'horizontal en fait, c'est quand comme tu payes, c'est complètement l'horizontal. Je te montre presque pas de comme, 720. Non, mais est-ce que... 360 Jay-Z, il avait ça, non, ou 540. Wavy. Non plus. En fait, il y a pas de personnes. En fait, c'est très rare de voir des personnes avec des 720 parce que esthétiquement, moi je sais que j'aime pas spécialement et c'est pas beaucoup apprécié par les gens. Donc les gens ils font pas trop les 720. Ok. Donc mais en fait, personne connaît. Mais si. Donc du coup. Sauf que les gens font pas spécialement. Tu vois, il y a que ceux qui connaissent vraiment les waves. Par exemple, si t'es un débutant, tu vas pas t'amuser à faire des 720. Tu connais pas. En général, tu fais soit des 180 ou des 360. Ça dépend. Maintenant, alors là, c'est une vraie question, ok? L'histoire des waves. Alors, je te parle pas de me dire tout, retracer tout, juste pour savoir si tu connais un petit peu la base de comment est venu les waves. Comment sont venus les waves? En France? Ou comme tu veux, vas-y, on va voir si... Bah, déjà, en France, c'est les États-Unis. C'est les Américains qui ont cette culture de cheveux, de coupe. Il y a bien longtemps, comment c'est venu? L'époque de l'Égypte. Ça, je sais ça. Vas-y, bah dis, c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend, en fait. C'est l'époque de l'Égypte. C'est à l'époque, là, où, je sais pas, ils avaient leurs cheveux comme ça, là, en... What? Bro, what are you talking about, man? Pourquoi on dirait qu'elle est en train de décrire un Playmobil?
Vas-y, dis. En fait, je connais pas l'histoire. Je sais que ça vient de... Enfin, ça vient. À l'époque de l'Égypte ancienne, il y avait les esclaves égyptiens qui... je sais pas quoi dans leurs cheveux, là. Une espèce de truc collant, de la colle, du gel collant. Ça servait à quoi, ça? Et ils devaient... Je sais pas, ils... Attends, un petit indice. On s'en sert toujours. C'est quoi? De la wax. Ouais, mais c'est quoi la wax? C'est ça, mais c'est bah, quoi la wax? C'est du gel. Non! C'est de la cire, pardon. Ah, la cire d'abeille. Cire d'abeille. Et je sais plus pourquoi ils faisaient ça, mais ils mettaient dans les cheveux, ouais, pour maintenir les cheveux en... Ouais. En Playmobil. En Playmobil. Ouais, arrête. Et voilà, déjà ça. Et la chaleur, il faisait tellement chaud, ouais, que ça tombait comme ça avec la chaleur, ça fondait, ouais, en fait, vu que c'est de la cire. Ouais. Ça tombe. On m'a dit, tu sais, si genre je savais pas, mais tu sais de toute façon. Ça tombe comme ça. Ouais. En fait, avec la nature du cheveu qui est bouclé, bah, ça faisait des espèces de vagues et ça faisait donc les waves, mais comme ça. Ah, j'y connais, okay. Ouais, c'est ça, bon, en fait, c'est okay. Ça. Et oui, en fait, c'est juste ça, c'est juste que les personnes utilisaient donc de la wax, donc de la cire d'abeille pour se coiffer, peu importe la coiffure. Et que comme ils avaient les cheveux bouclés, comme tu dis, bah, quand ça tombe, ça fait ça. Ça va, je connais. Tu vois, tu connais un petit peu, là, t'es une bonne élève. Maintenant. Qu'est-ce que le wash and style? Bon, je pense que tu peux y répondre. C'est quoi le wash and style? Qu'est-ce que c'est et comment on fait? Voilà. Ok. Bonne question. Qu'est-ce que c'est? C'est le shampoing, le wash, laver. Ouais, et style? Style, c'est le style. Ouais, mais après, ça. Vous faites votre shampoing. Comment? Donc, alors, du coup, ça aussi, c'est une question. Parce que pourquoi vous. Ça aussi, c'est une question. Pourquoi vous le faites pas pendant votre douche? Bon, bref. Parce qu'il faut se regarder devant un miroir. À moins que tu aies un miroir dans la douche. S'il y avait un miroir dans la douche, je le ferais dans la douche. C'est un concept à lancer, ça. On n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Donc, wash and style, c'est quand vous faites votre shampoing avec votre brosse. Vous, ouais, vous brossez en faisant le shampoing. Comment vous faites? Bah, je mets le shampoing. Ouais. Enfin, comme ça, là, dans le sens des waves pour pas non, faire. Non, au début, non. Ah bon? Au début, tu mets dans tous les sens pour que ça imprègne tous les cheveux. Ok, donc, ouais, dans tous les sens. Ouais. Un shampoing, quoi. Ensuite, vous brossez dans le sens de vos waves. Ouais. En partant de la couronne, ouais, en bas et tout, ouais, machin. Dur assez, ouais. Et très important, vous utilisez une brosse dure. Pourquoi? Pour aller en profondeur de vos waves pour que ça imprègne bien et que ça frotte, que ça brosse bien l'intérieur de vos waves. Ok, ensuite. Ensuite, mettez un durag. Pourquoi? Maintenir les waves pour les plaquer, quoi. Ouais. Ah ouais. Ensuite, vous mettez le durag. Vous mettez une cup, je sais pas quoi, là. Le truc qui ressemble à un collant, là. Moi, je te dirai, je te laisse, vas-y, ouais. Okay. Après, à la fin, je te dirai, vas-y. Tac. Vous attachez votre durag. Vous attendez quelques temps histoire que ça sèche. Et après, t'enlèves, ça fait des waves. Des armas à bridge. Tu vois. Et des armas. Et puis après, bah, vous rincez. Alors, par contre, comment vous rincez, je sais pas. Vous rincez. Et quand c'est fini, vous rebrossez. Ok, c'est bon, c'est fini? Bah, je pense. Ok, bon, en réalité, elle a raison à 30%. 30? Ouais, je vais dire pourquoi. T'as bien répondu sur le fait que, effectivement, c'est pour nettoyer, donc c'est un wash. Après, tu styles quand tu brosses, ça, c'est bon. T'as dit qu'il fallait utiliser un shampoing, donc tu mets sur tes cheveux, tu brosses en même temps que t'as mis le shampoing. Ouais. Ok. Après, t'as dit que tu mettais quoi après? Après quoi? Une fois que t'as brossé avec le shampoing. Le durag. Tu mets le durag et t'as dit... Non, ah ouais, le durag et la cup machin. Ok, donc ça, y a pas besoin. Okay. En fait, c'est soit tu mets le durag, soit tu mets la wave cap. Ok. T'as dit que tu laissais sécher. T'attaches, ouais, tu laisses sécher. Alors ça non plus, faut pas laisser sécher. Parce que c'est comme si tu faisais un shampoing classique. Si tu laisses sécher, ça sert à rien. Tu vois, faut... En fait, si tu mets le shampoing, tu laisses un petit peu agir. Mais comme tu fais un wash and style, tu brosses. T'as pas besoin de laisser agir, vu que ça se fait automatiquement. Et comme tu brosses, en profondeur. T'as pas besoin de laisser sécher, tu rinces directement. Maintenant, faut savoir comment tu rinces. Parce que toi, t'as dit un truc, comment tu rinces? Moi, j'ai envie de te dire, je rince comme ça. Avec le durag ou sans? Bah, sans durag, mais comme le but étant de former vos waves, je suppose que ça va être le durag. Voilà, donc ça, ouais. En fait, tu brosses, tu mets le durag et tu rinces avec le durag. C'est pour ça qu'il existe des durags spéciaux pour wash and style. T'as des durags ou des wave caps qui ont des trous beaucoup plus gros que sur un durag classique pour laisser évaporer, enfin, pour laisser s'échapper le durag. Le shampoing. C'est bon. Ensuite, après, t'as dit. Bah, une fois que c'est rincé, ouais, il faut. Ah non, faut sécher. Bon, on s'en fiche, tu sèches pas, en fait, ça sèche tout seul. Okay. Tu brosses. Donc, tu fais sécher et tu brosses. Non. Tu brosses. Quand? Parce que tu peux pas sécher, sinon ça défait tout. Donc, attends, tu fais quoi? Donc là, t'as rincé avec le durag, tu fais quoi? Bon, en vrai, on fait. T'enlèves, tu sèches, voilà, et après tu rebrosses. Ok, bah non. En fait, tu laisses sécher avec le durag, parce que le principe du durag, c'est de laisser en compression pour que tes waves ne bougent pas. Donc, ça veut dire que si t'enlèves et que tu sèches,
comme ça. En fait, j'aurais fait n'importe quoi, en fait. Oui. Voilà, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser sécher avec le durag. Soit tu laisses à l'air libre, c'est le mieux, ou soit tu fais avec un sèche-cheveux, mais c'est moins efficace. C'est mieux de faire à l'air libre, voilà. Donc c'est mieux de les laisser à l'air libre. Et une fois que c'est complètement sec, là, tu peux enlever ton durag. Et donc tes cheveux seront propres et ils seront restés en place. Okay. Et après, tu mets ce que tu veux, des... bref. Ouais. On va pas dire que t'as une mauvaise réponse, mais... Mais j'avais... Tu dis 30% quand même, j'avais bon au moins 40%. Ouais, 30... Non, c'est 30%. Bon, prochaine question. La différence entre une wave cap et un durag, voilà, en plus on en parlait. Qu'est-ce que la différence entre les deux? Le durag, ça s'attache, la wave cap, ça se pose. Oh là là là! Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ok, bon, t'as répondu vite en fait, je pensais que ça allait prendre plus de temps. Tu me prends pour qui? Bon, ok, je mets une bonne réponse encore. Maintenant, qu'est-ce que le wolfing? Ouais, ça je sais. Elle a dit ouais. Ouais, vas-y, d'accord. Ouais, ça je sais, mais je sais pas pourquoi on appelle ça le wolfing. C'est quand vous laissez pousser vos cheveux, genre un petit moment. Mmh. Donc voilà, vous coupez pas vos cheveux. Mmh. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, plus tu laisses, à force de brosser, ça fait des belles waves à l'intérieur. Ça fait que quand tu vas tondre les cheveux, te couper. Tondre, carrément. Hein. En fait, on est des buissons, quoi. Elle a dit tondre. Couper les cheveux, c'est là qu'on va avoir les belles waves, les waves en profondeur. Les waves en profondeur. Ouais. Okay, et tu veux savoir pourquoi on dit ouais, c'est un wolf? Ouais. Parce que wolf, en anglais, ça veut dire loup. Oui, je sais. Et un loup, ça a beaucoup de poils. Donc, c'est le principe de laisser pousser pour avoir beaucoup plus de poils. Comme donc, voilà, comme un loup. Et ça s'applique sur les waves tout comme sur la barbe. Donc ça c'est une bonne réponse. Attends, je mets la bonne réponse, sinon à la fin on va m'embrouiller. À quoi sert le plastic bag? Ah ouais, le main. Le main carrément. Ah ouais, j'ai... La main là. C'est pas obligé que ce soit en main. Oui, c'est vrai. Au début, je me rappelle, parce qu'au début quand t'as commencé, tu prenais des sacs en plastique. Pourquoi on dirait que tu te fous de moi quand tu dis ça? Mais c'est ça de base. Tu prends un sac en plastique. Bah, oui. En fait, c'est pour aplatir les choses. C'est comme une brosse, mais sans poil de brosse. C'est pour aplatir les cheveux. Ok, mais pourquoi le plastique? Pourquoi parce la matière ça, en plastique? Ça abîme pas, ça frotte pas et ça fait pas de frisottis. C'est ça la dernière, c'est ça la bonne réponse. Bah, ça c'est comme les cheveux bouclés, ça, voilà. C'est facile. Ça évite ouais, qu'il y ait des frisottis, ouais. De pouvoir plaquer correctement. Quelle est la différence entre nourrir et hydrater? Bon, ça c'est pas spécialement au niveau des waves, c'est plus sur l'entretien des cheveux. Ouais. Nourrir, hydrate, ça hydrate. Bon, je crois qu'on a fini la vidéo. Non, parce que... Nourrir, c'est. Comment tu rentres en profondeur comment tu du nourris? Cheveux non, comment tu nourris? Avec quoi tu nourris? Ah. Alors attends, l'huile c'est pour tout ce qui est huile c'est pour nourrir et tout ce qui est crème machin c'est pour hydrater parce que c'est à base d'eau. C'est ça? Tu connais hein? Ok. C'est quoi cette danse? Ensuite, qu'est-ce que les fourches? One eternity later. C'est quand t'as la vague du cheveu et qui est cassée, bah une fourche quoi. T'as la vague ouais, de ton cheveu ouais. Et en fait elle est pas, enfin ça fait pas des vagues complètes, elle est cassée, enfin okay. Ça casse là. Ok, et c'est dû à quoi? Ah bah ça c'est parce que ça se forme et qu'il faut prendre du temps avant que... Ah là c'est bien, ok c'est vrai, c'est une bonne réponse. Dernière question, qu'est-ce que la couronne? Si. C'est quoi? C'est alors je saurais pas l'expliquer mais c'est ce qu'il y a là. C'est quoi? Ici là, sur votre truc là, ici. Ok mais est-ce que c'est tout le monde couronne. A ça? Bah faut la former la couronne. Enfin oui on a tous ça, c'est de naissance. Enfin de naissance c'est naturel. Et en fait si vous brossez dans le sens du poil, ouais. Bah en fait ça, c'est là qu'on voit la naissance du cheveu et donc c'est la couronne. Ok, bon ça fait encore une autre bonne réponse. Au final, la conclusion sur toutes les questions, il y avait, attends je vais te dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y avait 13 questions. Sur les 13 questions, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bonnes réponses. Ah. 11 sur 13. Je suis prêt pour les waves. Vas-y, on va voir si tu vas faire des waves maintenant. Bon, dites-moi en commentaire si vous... Non, déjà, on va faire un truc. Pour ceux qui ont des copines qui ont... Enfin, qui ont, j'allais dire qui ont des waves. Pour ceux qui ont des waves, qui ont des copines, c'est mieux dans ce sens-là. Essayez de faire ce challenge. Je sais pas comment on va l'appeler. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de noms pour ce challenge. On va lancer ce challenge-là, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ça peut être drôle. En commentaire si votre copine... ou votre copain, si vous êtes une femme qui a des waves, a eu des bonnes réponses. Combien de bonnes réponses elle a eu sur ces 13 questions-là? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets un commentaire, je répondrai à tout le monde. Comme tu le sais, un petit pouce bleu pour le soutien. Va check www.mawavesbox.com. De toute façon, juste en bas ici, tu as code YouTube. C'est un code promo pour avoir moins 20% sur la première box. N'oublie pas, c'est la première box au monde dédiée à l'entretien des waves, des cheveux bouclés et crépus. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace. C'est quoi ce truc bébé? Tu prends pour... Griezmann. N'importe quoi.